Putain, gros bison ici. Et qui ici qu'on a un problème, on est de nouveau un baby sitting. Mais ça se passe pas du tout bien, on est en situation panique. Qui pleure tout le temps, que ce qu'on prend pas de pourquoi. T'arrêtes pas de pleurer. Qui fait plein de ouais. Qui fait dodo, qui veut pas pleurer un petit peu. Mais qu'est-ce que t'es rentré ici? Dis-le au bison, le bison il veut régler le problème, hein. Dis-le avec ta bouche. Tu sais que tu es dans le plus beau pays du monde, hein. Tu es né dans le pays de la bière. Tu peux pas dire ça. T'imagines les couflots, ils vont penser que moi je vais pleurer les bébés. Il est apaisé quand il me regarde. Mais mon dieu, c'est vrai en plus. Il est plus calme quand il te regarde. Regarde Toto, regarde par ici. Un casse. Même moi. Ça c'est toujours la même chose, ça en général. Les gens ils n'aiment pas trop à l'autre. Oh là là, et voilà, j'en ai deux maintenant qui pleurent, je vais devoir gérer les deux, moi ici. Gosé, porte-le-nous. Arrête, je m'apprête. Gosé. Y'a la maman qui appelle. C'est moi qui pleure. Allô? Bonjour madame. Ouais, tout va bien ici, tranquille. Hein. Quoi? Vous entendez pleurer? Oh, mais non, ça c'est un autre bébé de l'autre côté de la rue, il crie très très fort, hein. Non, ici il dort, hein, mais il dort très bien. Hein. Oh, oui. Profitez de votre soirée, hein, madame, parce que les frères bisous, ils gèrent ici. On dirait, bonne soirée, madame. Quoi? Non, je ne vous entends plus. On passe sous un tunnel. On va te lire une petite histoire, comme ça tu vas peut-être te calmer un petit peu, hein. Il y a un livre où il n'y a pas trop à lire, parce qu'on n'est pas très bon dans la lecture, hein. Alors. J'ai une petite fille. Et quelle copine avec un petit monsieur qui est... Une pelle comme ça, il peut assommer les gens méchants. Et plus tard, tu vois, le petit garçon, il va rouler des pelles à la petite fille. Boum! Ils auront des enfants qui sont diplômés de Harvard. Quand même vraiment bien, ce livre, hein, t'as vu? Mais j'ai les couleurs. T'as vu, un petit cochon. Mais ça, c'est le jambon. Le jambon, c'est un cochon qu'on a coupé, qui faisait gruit, et puis on l'a coupé, on a pris un morceau de sa fesse, et qu'on le déguste après dans un sandwich. Et tu sais qu'avec son sang qui coule, on fait du boudin. T'as aussi le squelette, tu comprends ça? Ça c'est... voilà. C'est que quelqu'un est mort. Oui, quand on est mort, hein, qu'on est sans vie et enterré dans le sol, on devient un squelette. Voilà. Je crois que ça y est qui s'est endormi, qui fait plus... Ouais. Encore une mission réussie par les frères bisous. Oui, au revoir madame! C'est pour vous dire qu'on a réglé le problème, hein, le petit beurre, hein. Ouais, c'est... comment... bah oui. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer tout ça. Hein. Allez, tout va bien, mon petit chouchou. Je suis désolé, hein. Je me sens coupable.